Bonsoir Raymond Soubi. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes l'ancien conseiller social à l'Élysée de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous présidez notamment l'agence d'information sociale AEF. On dit que vous étiez le véritable ministre du Travail, hein, et notamment pendant la réforme des retraites, qui a été cruciale, qui a donné lieu à de nombreuses manifestations. Vous continuez à participer à la réflexion sociale du président ? Non. Moi, j'ai quitté l'Élysée il y a un peu plus d'un an. Et comme je le dis souvent, quand on est dedans, on est dedans. Quand on est dehors, on est dehors. Et quand il m'appelle, naturellement, et qu'il me le demande, je lui donne mon avis. Enfin, je ne suis pas du tout impliqué dans la future campagne présidentielle. Alors, la dégradation de la note de la France, la baisse du triple A. Depuis des mois, le président Sarkozy nous explique que c'est crucial, qu'il faut qu'on se batte pour garder ce triple A. Et puis maintenant, ça y est, c'est pas très grave. De toute façon, ça va se passer. Ce sera une difficulté de plus, mais ce n'est pas insurmontable. Voilà ce que dit le président. Alors, qui a raison, le président d'hier ou le président d'aujourd'hui? Les deux. Ah! Les deux. Ah, en ce sens pas. Que si la France perdait toute seule son triple A, toute seule dans l'ensemble des pays de la zone euro qui ont le triple A, ce serait ennuyeux. Or, vous avez remarqué que la mise sous surveillance négative d'une agence de notation touche tous les pays ayant le triple A dans la zone euro, y compris l'Allemagne. Et donc, si tout le monde perd le triple A, ce n'est pas une mesure particulièrement gênante pour la France. Ça n'aura pas de conséquences sur nos taux d'emprunt ? Je pense qu'aux États-Unis, quand les États-Unis ont perdu leur triple A, ce qu'il ne faut quand même jamais oublier, il n'y a eu aucune incidence sur leur taux. Là, je ne pense pas. Il vaut mieux que la France garde son triple A, bien entendu. Il vaudrait mieux d'ailleurs que tous les pays de la zone euro qui l'ont le garde, mais si elle le perdait, je ne crois pas que ça changerait fondamentalement la situation. Ce que l'on appelle les marchés, en fait, ce qu'ils attendent, c'est une volonté politique d'avoir une gouvernance en Europe, premièrement, et c'est deuxièmement qu'il y ait une politique de désendettement des États et que ce soit contrôlé par Bruxelles. Deuxièmement, et c'est ce que propose la réforme du traité ce vendredi. Et troisièmement, ce qui est un point très important qui a été discuté à Bruxelles l'autre jour, c'est que les créanciers privés, s'il y avait un problème sur des obligations souveraines d'État, ne soient pas appelés à combler une partie de la perte. Ce qui a été fait pour la Grèce, et au fond, ce qui a été sans doute une véritable erreur. Parce que ça a en quelque sorte désacralisé une obligation souveraine de la zone euro qui normalement devrait être sacralisée. Juste un petit mot de réaction. François Hollande dit qu'il renégociera le traité s'il était élu. C'est une bonne idée? C'est possible? C'est irresponsable, comme dit François Fillon? Eh bien, je pense que cet accord a été obtenu, comme on le sait, avec quand même beaucoup de difficultés l'autre nuit à Bruxelles. Bon. Et alors que cet accord-là est juste conclu et qu'il sait maintenant, il s'agit de l'appliquer, dire qu'on va le renégocier, ce sont un peu des paroles verbales, si vous me permettez. D'abord parce qu'il faut quand même respecter cet accord, car c'est la réalisation de cet accord qui nous permettra, à nous, pays de la zone euro, de bien nous sortir de cette affaire. Et deuxièmement, pour renégocier, comme dirait M. de la Palice, il faut au moins être deux. Et même plusieurs. Il n'y aura personne. Et je crains que négocier tout seul avec soi-même n'est pas toujours la meilleure solution pour régler les problèmes. Alors, le patron de la CGT ce matin a été chez Jean-Jacques Bourdin et il a dit « J'ai fait une lettre et une tribune avec mes homologues européens pour l'ensemble des dirigeants européens. Vous faites fausse route, les conséquences sociales des mesures sont catastrophiques, les résultats de ce sommet est catastrophique. » D'ailleurs, il y a une mobilisation demain des syndicats dans les rues de France contre les plans d'austérité et les conséquences aussi des mesures européennes. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, nous verrons ce que donnera la journée de demain. Vous croyez une forte mobilisation? D'abord, premièrement, ce n'est pas une journée de grève. Donc c'est quand même une journée organisée en mineur par les syndicats. Pourquoi ? C'est une journée... Parce que quand vous avez des grandes journées nationales interprofessionnelles, souvent vous avez des grèves dans le secteur public, vous n'avez pas de mot d'ordre de ce type. Donc les syndicats n'ont pas mis, si j'ose dire, le grand braquet
pour la journée de demain. J'ajoute que nous verrons combien de gens sont réunis. Je ne crois pas a priori que ce soit parmi les plus grands journées. Je vous rappelle comment la réforme des retraites, il y avait 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue. Nous verrons si demain, il y a 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue. Je ne pense pas. Tout simplement parce que les Français ont quand même une meilleure conscience des difficultés de la situation, premièrement. Deuxièmement, que vous avez une élection majeure à quelques mois. C'est rare qu'il y ait des mouvements sociaux de grande ampleur pour cela. Et puis, troisièmement, les syndicats eux-mêmes, vous remarquerez qu'il n'y a pas énormément d'appels à la journée de demain. Les syndicats, le président va les retrouver le 18 janvier prochain pour un sommet social sur l'emploi. C'est de la com, disent-ils, notamment Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière. C'est Jean-Claude Mailly qui dit ça. Voilà, il peut en sortir quelque chose, sincèrement, à trois mois des élections, à quatre mois des élections. Le président a souvent organisé des sommets sociaux, j'en sais quelque chose depuis le 2007, depuis le début de son quinquennat. Et il y a eu des sujets très importants qui ont été traités dans ces sommets sociaux, réforme de la représentativité. Et là, c'est plus sur la lutte contre le chômage. Dans la lutte contre le chômage, ce n'est pas le meilleur moment. En ce sens-là que c'est vrai qu'aussi près des élections, les syndicats ne vont pas être naturellement enclins à donner leur blanc-seing à des mesures gouvernementales. Cela, il y a des sujets concrets, c'est sur l'adjectif, sur l'emploi, le développement des mécanismes de chômage partiel pour limiter le chômage total, l'accentuation de la formation, des mesures concrètes. On peut arriver à quelque chose sur à cette occasion. On peut arriver à des avancées. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ça va être un pacte social de lutte contre la crise. C'est impossible à quatre mois des élections présidentielles. Comment vous voyez la situation politique, vous qui avez été, je le disais, très longtemps et très proche de Nicolas Sarkozy, la campagne qui s'annonce, les concurrents, candidature de Dominique de Villepin qui déboule sur le terrain de la campagne. C'est un ennui pour Nicolas Sarkozy, c'est un problème? D'abord, en matière d'élection présidentielle, moi qui ai vu quand même un certain nombre, je dirais qu'à cinq mois de l'élection, il est très difficile de savoir ce qui va se passer. Parce qu'il peut se passer beaucoup sur le plan international, on en a parlé tout à l'heure, ouais. Au plan national, il peut y avoir des mouvements ascendants et descendants. C'est comme les montgolfières, vous voyez. Ça peut beaucoup bouger d'ici là, bien donc, sûr. Ça ne peut pas bouger. Sur la candidature de Dominique de Villepin, apparemment, c'est une surprise. Je veux dire, pour ses propres amis, d'ailleurs, m'a-t-il semblé. Ça vous a surpris, vous aussi. C'est une surprise, oui. Enfin, c'est surtout pour eux que je pense que c'est une surprise. C'est un long parcours, l'élection présidentielle. Il faut avoir 500 candidatures, il faut quand même avoir des troupes. Oui. 500 signatures, il faut avoir des troupes pour vous soutenir, etc. Donc, il n'ira pas jusqu'au bout, selon vous. C'est son choix et sa possibilité. Merci beaucoup Raymond Soubi d'être venu sur le plateau de BFM TV. On va continuer à parler de cette candidature de Dominique de Villepin justement parce que nous sommes en direct avec Marianne Montchamp qui est l'ancienne porte-parole de Dominique de Villepin. Aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État aux solidarités et à la cohésion sociale. Vous aussi vous avez été surprise par cette candidature Madame Montchamp ? Ah bien écoutez, hier soir, j'ai pris acte effectivement de ce choix que Dominique de Villepin a fait, de ne pas regarder les difficultés, les vicissitudes de la préparation d'une campagne électorale, surtout quand on a une formation politique assez courte et très jeune, mais de se lancer dans une candidature qu'il a lui-même qualifiée de candidature de témoignage. Est-ce que vous pensez que c'est parce que son nom est mentionné dans plusieurs affaires et que c'est une manière peut-être, en étant candidat, de se présenter comme une victime d'attaque, une manière d'échapper peut-être à certaines situations désagréables ? Je ne peux pas imaginer une seule seconde que ce soit ça et je me réfère simplement au discours qu'il a tenu hier soir où il a commencé par avoir des propos très acerbes et très sévères contre la gauche qui, PS et Verts, discuteraient, je le cite, le bout de gras pour se décider sur des circonscriptions. Bref, une attaque en règle motivation. Et une volonté. Une volonté de se situer au-dessus des partis. Oui, c'est une décision individuelle. C'est vrai que Dominique de Villepin est seul dans cette affaire et c'est une responsabilité importante que celle qu'il prend. Moi, je continue de mon côté à prôner le rassemblement parce que le gaullisme qu'il porte ne se résume pas à sa formation politique. Il est aussi incarné dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy.
Mais tout de même, c'est un mauvais coup à Nicolas Sarkozy. Il l'avait vu récemment, il s'était vu, il laisse entendre que tout allait bien et puis il lui fait un peu un coup de jarnac, là. Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu des échanges. Je crois qu'ils ont été fructueux entre Dominique de Villepin et le président Nicolas Sarkozy, en particulier dans le cadre des révolutions arabes qui, effectivement, ont conduit Dominique de Villepin à s'exprimer et à donner un certain nombre de ses perceptions et de ses analyses, car c'est en effet un observateur particulièrement autorisé sur ces sujets. Au-delà de cela, la décision prise hier soir, outre le fait qu'elle n'est peut-être pas totalement irrévocable, loin s'en faut, parce que comme Raymond Soubi le disait à votre antenne il y a quelques instants, c'est une longue route d'arriver jusqu'en mai 2012 et beaucoup de choses peuvent se produire, mais c'est aussi un choix individuel de témoigner de la souffrance des Français, de parler de la France, ce qui est louable. Vous croyez qu'il ira jusqu'au bout? Vous croyez qu'il ira jusqu'au bout? Écoutez, franchement, je souhaite que non. Je souhaite que la voix de Dominique de Villepin trouve sa juste place dans la majorité présidentielle. C'est sa famille politique. Ça n'est pas un homme de gauche, Dominique de Villepin. Ça n'est certainement pas un centriste. Et donc, cet enfermement dans une marge électorale si courte ne me paraît qu'assez éloigné de ses aspirations et de sa volonté d'exprimer une idée originale sur la France. Il a toute sa place dans la majorité présidentielle. Qu'il rejoigne, qu'il fasse l'union. Il est gaulliste aussi. De se dire que le rassemblement dans une période difficile, c'est la première des valeurs du gaullisme. Marianne Monchamp, dernière question. Demain, il y a une mobilisation à l'appel des syndicats, une journée d'action pour protester contre les plans d'austérité. Et Bernard Thibault de la CGT disait les résultats de ce sommet européen, c'est de la souffrance sociale, c'est beaucoup de souffrance sociale. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Est-ce qu'on peut expliquer aux Français que réduire le budget, être très, très attentif au budget de l'État, eh bien, ça n'est pas synonyme de souffrance sociale. D'abord parce que le plan de retour à l'équilibre que le président de la République a voulu et que tout le gouvernement porte a pris le soin de protéger les Français les plus fragiles. On ne le dira jamais assez, mais tous les revenus de remplacement notamment ne font l'objet d'aucun effort et nous veillons à ce que nos compatriotes les plus fragiles, vrai pour les personnes handicapées, vrai pour ceux qui vivent encore une fois de ces revenus de remplacement, ne fassent pas l'objet des mesures et des dispositions qui sont prises par ce plan. Mais je crois qu'il faut être très réaliste. Retrouver l'équilibre de nos finances publiques en France et dans l'Europe, c'est protéger les Français, car si d'aventure l'euro était fragilisé, si l'Europe se voyait elle-même remise en question dans sa conception d'aujourd'hui, alors à n'en pas douter, ce seraient les salaires les plus faibles, ceux dont on ne parle pas aujourd'hui, qui feraient les frais, si je puis dire, d'une situation sans précédent. Et on sait bien, merci, dans ce cas-là, ce qui se produit. Il faut les protéger, c'est ce que fait le gouvernement. Merci Marianne Monchamp d'avoir été en direct donc avec nous sur BFM Merci TV. Merci Ruthel Krieff. Restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal de Jean-Rémy Baudeau, bien sûr, et notre face-à-face du lundi soir, Alain Madelin et Jean-François Kahn. On va parler de Dominique de Villepin, de François Bayrou et puis de la décision de François Hollande de renégocier le traité européen. A tout de suite.